Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va partir sur essentiellement du renfort jambes. Donc on va commencer par un petit échauffement un petit peu cardio pour chauffer et après muscu jambes, seul matériel possible mais pas indispensable. Moi je prends mon bâton de balai, hein. C'est pour faciliter s'il y a besoin, sinon bah c'est pas obligatoire. Ok? Et ben on est parti pour l'échauffement. On va tirer nos bras tranquilles et on démarre sur les pointés. On va rajouter un talon fesse. Ok, c'est parti. Grosse série pour commencer et on attaque avec les fentes. Ok,
la jambe avant. Derrière sur demi-pointe. C'est youpla. On a pris le son du bâton. On le met du côté, on n'a pas de pied. Hein. Et il nous servira à nous aider pour la montée et la descente. D'accord? À l'avant, on a bien le talon dans le sol. On imagine qu'on est des petits chevaux sur un manège et on va seulement de haut en bas, jamais vers l'avant. Mon genou ne doit jamais dépasser la pointe de pied. D'accord? Le dos bien droit. Les fesses serrées. Les mains sur les hanches, sur les côtés. Vous voulez, mais pas sur le genou. Et on est parti pour des montées et descentes. On ne monte jamais jusqu'à l'extension totale. On s'arrête juste avant de verrouiller le genou. Et on reste en bas. On s'assouffle. Le regard va pouvoir voir la pointe si vous ne la voyez pas. C'est que vous êtes trop vers l'avant. On reste dans la position, on va juste décoller le talon. Décolle, pause. Voilà, super. Voilà un petit peu les mollets. Hein. Pose le talon, remonte en deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, en trois. Un, deux, trois, descend. Un, deux, trois, descend. Un, deux, trois, descend. Un, deux, trois, tu restes, descends en trois. Un, deux, trois, monte. Un, deux, trois, monte. Un, deux, 3, monte, 1, 2, 3, monte, 1, 2, tu restes tout petit. On va bien tout changer de position et on va enchaîner. Attention, quart de tour face à moi, position de squat qui est largeur des épaules un peu plus large, montée, descente. Pareil, si on a le bâton, on peut s'aider. Hein. Les talons sont dans le sol. Tu vas pouvoir décoller mes pointes de pied. On fait la même série. Et reste en bas. Pareil, quand je monte, je ne verrouille pas les genoux. Je m'arrête juste avant. On ne bouge pas. On va juste décoller nos talons. On monte en deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. En trois, un, deux, trois, descend. Un, deux, trois, descend. Descend. Un, deux. Tu restes en haut, descends en trois. Un, deux, trois, monte. Un, deux, trois, monte. Un, deux, trois, monte. Un, deux, et trois, tu restes tout petit. Ah, ça chauffe, hein? On l'a compris, on va finir sur notre troisième fente. Quart de tour, jambe gauche et montée, descente. Pensez toujours de haut en bas. Pensez à souffler et on reste en bas. Décolle et tu poses.
pause, remonte, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore. Remonte en 3, 1, 2, 3, tu descends, 1, 2, 3, descends, 3, descends, 1, 2, 3, tu restes, descends en 3, 1, 2, 3, monte, 1, 2, 3, monte, 1, 2, 3, monte, 1, 2, 3, on reste tout petit. Allez, jusqu'au bout. Ça chauffe. Allez. On lâche pas. 4, 3, 2, et on souffle. Alors, chauffe Marcel. Si on a le bâton, moi je vais le prendre pour celui-là parce qu'il est plus dur à garder au niveau de l'équilibre. On continue sur nos squats, cette fois-ci pour travailler plus l'intérieur des cuisses, affiner et travailler les adducteurs. Prenez le temps de boire un coup si vous avez soif. Alors, là on va écarter un peu plus fort et mes pieds, je les tourne vers l'extérieur. On imagine qu'on est entre deux murs, tout fin. Quand je vais descendre, mes genoux ils vont aller dehors. D'accord, on va faire exactement la même série, sauf que ça va travailler l'intérieur. On continue les cuisses et les fesses, mais on insiste plus sur les adducteurs. On est prêt? Allez, c'est parti, montée, descente. Toujours bien les talons dans le sol. Et je m'arrête avant l'extension totale. J'ai vu mes genoux au-dessus de mes chevilles. On reste en bas. Toujours le dos droit, les fesses serrées, le ventre rentré, on se grandit. Les talons alternent, droite, gauche. Tu bloques, remonte en 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, en 3, 1, 2, 3, descend, 1, 2, 3, descend, 1, 2, 3, descend, 1, 2, 3, descend en 3, 1, 2, 3, monte, 1, 2, 3, monte, 1, 2, 3, monte, 1, 2, attention, reste en bas pour les petits, ouais, ça chauffe, c'est que ça travaille. Allez, on est presque au bout. 4, 3, 2, et on souffle. Allez, on peut marcher un peu. Ok. Pour le suivant, moi je vais garder le bâton. Si on arrive à tenir son équilibre sans bâton, on va être sur un pied. Hein. Donc, vous voyez, si on veut faire plus dur et qu'on a, on peut accrocher un élastique à ses jambes. D'accord ? Du coup, on tient bien le bâton, du côté on n'a pas de pied. Sinon on a tendance à être comme ça et à être en mauvais équilibre. Donc du coup on va commencer par le pied droit, donc bâton à droite. On appuie sur le pied gauche, bande serrée, genou déverrouillé et montée, descente. Bien. La pointe vers le bas, la jambe d'appui et flex. On maintient. Gardez bien le ventre serré, les fesses serrées. Hein. Travaille aussi des muscles profonds.
Attention, talons fesses. On ne relâche pas. On tient tout petit rang. Tout petit, tout petit. C'est pas de la vitesse qu'on cherche. Vraiment de s'appliquer. Avec un élastique, hein, ça fait bien, bien mal. Bloc, montez, descente à nouveau. La jambe d'appui souffre aussi normalement. Aller en statique, c'est un autre travail. Ça fait mal aussi. Et dernière fois, talons fesses. Dans l'autre sens. Ah, c'est bon, hein. On bloque, on reprend talons fesses. Petit poids avec les baskets aussi. On bloque, on termine par les montées descentes. Réaliser. Prends le temps de souffler.
On va pas regarder ses limites, hein. On remonte, fait serré, on repart. On en fait 8 cette fois. On est à 2. 3, 4, 5, 6, 7. Moi je me donne les bras un peu, hein. 7. Je fais contre deux fois. Et 8. Ça va bien, hein. Dernière série, on va faire que 6. On cherche son max. On va pas au-delà. Hein. Donc chacun fait comme il peut. Si la deuxième série était déjà au maximum, on en fait 6 à la même amplitude. Ok? Allez. On serre les fesses. On est dur. Et on est parti pour les 6 dernières. C'est parti. Et 6. C'est bon? Il nous reste un dernier exercice. Je m'incline un peu plus la caméra parce que je vais être par terre. Est-ce que ça va le faire? Ouais. Nickel. Donc là, on enlève les godasses. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. On vérifie bien que ça glisse. Sinon, essayez de mettre des chaussettes qui glissent un peu plus ou même un papier sous les pieds, hein, pour aider, d'accord? Là, on va terminer sur celui-là. Je vais nous travailler principalement les ischios. Donc sur le dos, je vais décoller mes fesses, bras le long du corps pour s'aider un petit peu. On éloigne, les fesses sont toujours décollées et on ramène, d'accord? Donc là, rien de trop compliqué, mais ça va rapidement chauffer. On est parti pareil pour 10. 1, 2, 3, 4, bien sur les talons. 5, serrez vos fesses. 6, 7, 8, 9, 10, soufflez. Ça va? C'est la première série. Ça va pas durer. C'est trop facile avec les bras, vous les enlevez, hein. Moi je sais que je compte sinon. C'est bon? On décolle les fesses. Pareil, deuxième série, on en fait 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'une. Et je vous fous la paix. On y go? Allez, dernière série. On lève les fesses et on reprend. Si vous pouvez garder les genoux collés, ça parlera aussi vos adducteurs. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soufflez. Pour finir la séance, vous laisserez faire chez vous un tout petit peu d'étirement des fessiers, mais léger. D'accord? Bien les deux jambes. Et attendre demain pour vous étirer comme il faut les jambes. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt.